Excuse me, is it for the tea? It's for bottle A. Okay, well, which year? 29? Yeah. Wow. It's amazing. Yeah, well done. Huh? You ride every week with the car? Yes, ride our normal car is on the workshop. So okay. This is our daily drive. Okay. Well, that's a really, really, really beautiful car. Have a nice weekend. You too. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit, frérot. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que je lui parle. Les Danois, ils sont très, très, très timides. Genre, ils aiment pas trop parler à des gens, à des inconnus, tu vois. Et moi, j'arrive. Ouais, vas-y, frère, elle est belle ta caisse. Vas-y, viens, on fait un tour, wesh. De barre quand même. Ça fait trop plaisir de l'avoir rencontré, ce monsieur. Tu sais, je voulais voir, je voulais mettre un visage sur le possesseur de cette Ford. Même si j'ai compris la moitié de ce qu'il disait, franchement, ça m'a fait zizir. Ah, mon frérot, t'auras lu sûrement le titre. Première téléobservation au Danemark. Mais sans plus attendre, petit placement de produit pour le jeu mobile Red Shadow Legend. Alors, il fait un petit peu frisqué pour te faire le placement de produit à moto. Alors, je vais le faire de chez moi. On se retrouve tout de suite à la casa. Red Shadow Legend, c'est le RPG gratuit au tour par tour du moment. Le but du jeu est super simple, tu dois collectionner des champions pour pouvoir progresser au plus haut niveau en prenant en compte leurs compétences et les artefacts. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, déjà tu peux le voir, c'est les graphismes, je trouve que pour ce type de jeu c'est vraiment bien fait. De plus, ce que j'ai pas mal aimé, c'est que tu as plein de façons de jouer. Tu peux faire la campagne, pour moi c'est le meilleur moyen d'XP rapidement, des donjons avec des potes, ou même te fracasser contre les champions des autres joueurs. Pendant le mois de décembre, ils ont instauré ce qu'on appelle la tour du malheur, donc c'est une tour de 120 étages avec pas mal de défis à faire et des boss de haut niveau à défoncer. Et en plus de ça, pendant les vacances, ils lancent 14 nouveaux champions que tu vas pouvoir débloquer pendant cette période avec pas mal de nouveaux événements et des tournois exclusifs. Si jamais t'es intéressé, je t'ai mis un lien dans la description. Pour tous les nouveaux joueurs, tu auras accès à un booster d'XP, ce qui est pas mal du coup pour XP, un booster d'énergie pour faire pas mal de combats, un nouveau personnage épique, rempart, et 50 gemmes. Pour activer tous ces lots dans le jeu, tu devras cliquer juste ici. Alors mon frérot, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tous les liens sont dans la description. Mais non, je dois pas sortir. Putain, qu'est-ce que je vois, le bordel. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Je me suis fait brain par la Red Bus, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Oh là là. Est-ce que ça se voit tant que ça que je suis pas du coin? Je sais pas. On va les couilles, frère. Oh merde, c'est bon. Putain, j'ai rien capté, frère. Putain, j'habite rien ici, c'est un truc de fou. Bah, normalement, je sais pas, tu tournes à droite, c'est feu rouge, tu t'arrêtes, non? Ah bah là, non. Fuck that. Pas le temps de niaiser. Trop chelou. Alors, c'est laquelle qui s'ouvre? C'est celle-là ou celle de gauche? Non. Ok, ça doit être l'autre, alors. Non. Non, ok, très bien. C'est laquelle qui s'ouvre alors? Ah, ok. Ah, faut vraiment se mettre là, quoi. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va mettre un petit coup de pression. Non, c'est mignon tout plat ici, là. Je suis pas du tout en aime, mon ref, mais en tout cas, c'est mignon. Joe the Juice. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Allez, soyons courtois, soyons courtois. On va pas conduire comme un parisien quand même, pas tout de suite. Laissons le temps au temps. Laissons-les s'acclimater un petit peu au bougre que je suis. Et après. Ça va bien se passer, hein. Et après, on va envoyer du fat.
Ah mais ils font chier avec leur baisselle, le truc mes couilles là. Je sais jamais ce que c'est frérot. Chaque fois je suis obligé de regarder sur internet. C'est un petit peu relou. Alors comment ça s'appelle? Voilà, c'est ça qu'il me faut. E5, est-ce qu'il y a du E5? Oh, il y a du E5 frère. Ah bah parfait, je vais mettre du E5. Alors est-ce que ça marche? Non. Au pays en avance. Bon. Putain frère, tu vas encore m'entendre parler anglais, ça va être dégueulasse. Putain, fait chier, je pensais que c'était une pompe où tu pouvais te servir en direct. Ouais. Ça marche pas, ça marche pas. E5, 200 coronas, possible? Yes? Tu vois ce que je dis ou pas? Or, I don't know, 100, let's see, 100. 100 for E5, yes. I don't need the receiver, it's okay. Ah, j'allais me casser les couilles toute la nuit comme ça là, parler anglais là, hey, oh yeah, yeah. Oh, yeah, oh. Ah, ok, you have to, ah, ok, 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 thanks. Y'a tout. Compliqué, hein. Compliqué prendre de l'essence ici, frère. Ok, donc si j'ai bien compris, je dois scanner ça sur le truc. Et normalement, après, ça doit marcher. Où est-ce que je dois scanner ça, frérot? Ah, attends, c'est peut-être là, Bitel, here. Ah, putain, je suis trop con. C'est bon? Ok. J'espère que c'est celle-là. Ah non. Oh non, 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 non. Ah ouais, putain, je me suis trompé. Je me suis trompé. Attends. Faut que ça tombe sur WAM, bordel. Ah. A few moments later. Oh là là, mais vas-y, c'est pas clair du tout leur truc, hein. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Vas-y frère, ça marche pas ton truc là. 2 hours later. Je commence à m'embrouiller, ça commençait déjà à gueuler parce que ben on est passé pour des baltringues envers les gens. Sembrana me déclare. Oh frère, j'en ai marre. Putain, tout ça pour ça quoi. Oh là là, c'est tombé. Mais bon, ça marche. Ouais, c'est bon, parfait. Oh my god! Wow! Bon, cette petite péripétie passée avec, avec cette pompe à essence là, on peut se remettre en route. Elle fait vraiment un bon bruit quand même, hein, cette petite 600. Il faut attention à rien, les vélos, c'est un truc de fou. L'autre, elle indique même pas qu'elle va tourner comme ça. Quoi. C'est un truc de fou, j'arrive un peu plus vite, je la fauchais la pauvre, là, plus avec son gamin, quoi. Sans déconner. Je sais pas si c'est la. J'ai vu un motard en gilet jaune derrière. Et en fait, les flics motards, ils ont tous en gilet jaune. Donc, je sais pas si c'est un poulet derrière. J'espère que non. Sinon, fuck, on va le semer. De toute façon, avec ce que j'ai, normalement, ils devraient pas pouvoir me rattraper. On va se retrouver tous les deux au placard, c'est tout ce qui va se passer. Je suppose que oui. J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment l'habitude de voir des motos, gros. Soit c'est la couleur marron scotch qui les scotch. Quelle indignité.
Quelle blague énorme. Soit il n'y a vraiment pas de moto ici, mais j'en crois jamais des motos, donc je pense que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup quoi. Bon, on va continuer tout droit. Normalement on devrait avoir la mer là-bas. Je suis jamais venu ici encore, donc je sais pas. Ah ouais, je peux pas aller là. Putain, j'aurais bien voulu aller sur les petits bateaux moi. Ah, je peux y aller là ou pas? Mais je vois les bateaux. Ah ouais, putain, ça va trop bien là-bas. Mais je pense pas que tu puisses y aller en moto. Regarde, regarde. Je sais pas si tu verras à la GoPro là. T'as le mec, il est dingue parce qu'il voit la mer, mais frérot. Pour un Parisien, voir la mer, c'est le feu. Même si c'est la mer du Nord ou la mer Baltique ou je sais pas quelle mer c'est, tu vois. C'est la mer Noire. Bon, maintenant, il faut que je trouve un moyen de m'approcher de là-bas. Trop stylé, frérot. Ah, je kiffe. On va essayer de se garer là. Bon, on va aller voir la mer un peu, les amis. Ouais, on va aller voir la mer un peu. Voilà. Là, je suis content. Ah, il y a un petit pêcheur, on va pas parler trop fort. Faut pas réveiller les poissons. Ça sent bon. Ça sent bon la mer. Tiens, on va aller là-bas. Je suis content de vous avoir emmené ici. Je suis content, tu vois, là je suis content, je suis fier de moi. franchement les gars, je vous dis, je kiffe trop. Ça apaise en fait, c'est très relaxant je trouve. Je vais vous faire une petite story derrière. Pour les privilégiés qui me suivent sur Instagram. Sur Instagram et sur Snapchat. Comme ça. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était la première d'Heliops au Danemark. Ce sera certainement pas la dernière. Je tenais à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année parce que c'est tout simplement parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Et quand vous regarderez cette vidéo, je serai de retour au pays. Je vais faire une grosse surprise à ma famille. Ils sont pas du tout au courant que j'ai pris un billet d'avion. Donc quand tu regarderas cette vidéo, je serai de retour chez moi à Paris. Avec la famille pour passer Noël et le nouvel an avec les personnes qui me sont chères. Donc la famille, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonheur, santé, argent, plein de bonnes choses. Je vous remercie encore une fois de me suivre après toutes ces années. Après 4 ou 5 ans passés sur YouTube, vous êtes encore là, donc ça fait vraiment super plaisir. Et bien sûr, 2021, je continuerai les vidéos. J'espère juste que durant cette année 2021, on se débarrassera de ce foutu Covid. Parce que je pense que tout le monde en a marre. Bon allez, moi je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. C'était un plaisir que de vous retrouver fin de cette année. Si jamais t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu. Ça aide beaucoup pour le référencement. Lâche un petit commentaire également. Ça me ferait plaisir. Et on se retrouve l'année prochaine, en 2021. Pour de nouvelles aventures et la prépa sur le CBR, ce sera fait normalement début d'année 2021. Donc attendez-vous à voir du lourd. Allez, j'arrête avec mes conneries. Prenez soin de vous, ça me suffit pour vous servir. Ciao.